Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Magali. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Hi to my new subscribers, thank you for subscribing. Je sais, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Je suis de bonne humeur, je vous envoie toutes les ondes positives. Donc aujourd'hui je vais faire un haul Zara. Donc j'ai pris quelques petites... J'ai pris des pièces pendant le Black Friday. Mais je vais être honnête, la majorité des choses que je voulais, j'ai pas pu les avoir vu que j'étais en réunion à 14h. Ici en Angleterre, la réduction a commencé à 14h pour Zara, pour ceux qui ont les applications en fait. J'étais en réunion donc... donc à 14h02, j'ai fait tout possible pour commander, mais j'ai raté presque tout ce que je voulais vu que j'avais... rien mis dans mon panier, mais quand même j'ai pris les deux pièces principales que je voulais. Sincèrement, je voulais deux manteaux, mais j'ai pas pu les avoir, donc c'est pas grave, j'ai pris d'autres manteaux dans d'autres enseignes. Donc je vous montre les pièces de chez Zara que vous pouvez toujours retrouver, je pense, et je vous montre aussi deux trois pièces d'autres enseignes, H&M, et je pense que j'ai Ticket Max. Oui, j'ai quelque chose de Ticket Max, donc vous pouvez toujours aussi les retrouver en boutique. Donc pour la première pièce, ce sera cette veste-là, ce blazer de chez Zara. Donc, c'est un blazer écru, blanc cassé, assez long. Vous avez des poches devant, là. Attendez. Vous avez des poches devant. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est vraiment la pièce que je voulais acheter pendant les soldes. Donc j'adore aussi, j'aime beaucoup le col. Derrière, il n'y a pas de fente. Voilà, et vous avez des boutons. C'est une très belle veste en tout cas, je suis très contente de l'avoir prise. Celle-ci m'a coûté 35,99 au lieu de 59, 60 livres je dirais. Donc voilà la première pièce, je l'ai pris en taille M. Je sais pas, en fait, je sais pas si vous pouvez toujours les retrouver sur le site, mais bien sûr, les prix vont monter si vous voulez. Non, les prix vont revenir au prix normal si vous voulez. En fait, vous pouvez attendre le 26 décembre pour peut-être attendre la réduction. Donc j'ai pris cette veste. Donc j'ai pris cette veste là. J'ai pris le pantalon qui vient avec. Donc c'est un pantalon un peu effet. Pas d'éléphant, mais pas trop en fait. Donc j'ai pris la taille M encore une fois. Donc vous avez un effet crochet ici. Voilà. Des fausses poches derrière. Et c'est un pantalon assez long. J'aime beaucoup aussi. Super classe quand vous le portez. Très très beau en tout cas. Très très beau. Voilà. Donc c'était les deux premières pièces que je voulais vraiment et j'ai eu. J'étais super contente parce que les autres choses, vraiment, j'ai pas pu. J'ai attendu jusqu'au soir, mais tout était en rupture de stock. Genre à 14h15, il n'y avait plus rien. C'est un truc de dingue. Donc, j'ai pris à 29,90, je pense. Je ne connais pas le prix d'origine. Je pense peut-être que c'était à 35 ou peut-être 49, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Pour mon coup de cœur. Après, j'ai pris une chemise. En fait, cette chemise robe, je ne sais pas si c'est une chemise robe pour l'été. Je ne sais pas si c'est la collection d'hiver, en fait. Mais moi, j'ai vraiment aimé le modèle. J'ai aimé le modèle. C'est un blanc cassé. Et j'ai aimé le fait que, en fait, ici au milieu, vous pouvez faire un nœud vers la taille. Donc, je le porte ouvert. Et ici, je ferme, j'accroche, en fait. Je fais un nœud ici. Super long. Ça m'a coûté 29 livres. Par contre, j'ai pas pu l'avoir pendant les soldes. Et je me disais, si je l'achète pas maintenant, peut-être qu'il y en aura plus. Je vais voir en fait pendant les soldes le 26 si je peux le prendre moins cher. Ça m'a coûté 29,90 comme je vous l'ai dit. Le matériel, il est très léger. Ouais, très très léger. C'est vraiment une pièce d'été en fait. Hein. C'est une pièce d'été. J'aime beaucoup les manches ici. Voilà, donc vous portez ça avec peut-être un jean collant, un legging ou jegging,
blanc cassé aussi, voilà. Donc j'ai pris ça. Après ce que j'ai pris, mon coup de cœur, un autre coup de cœur, attendez. Ça en fait, je ne l'ai pas pris pendant les soldes. Je l'ai pris parce que, comme je vous ai dit, je cherchais un manteau. Et je voulais deux manteaux et je n'ai pas pu les avoir. Je suis partie en magasin, sold out, rupture de stock. Et j'ai vu ça sur le site. Je cherchais un kimono, ça fait très très longtemps, je n'en trouvais pas. Et j'ai trouvé celui-ci. Les gars, comment il est beau ce kimono. Quand il a, en fait, avant de le commander, j'ai vu que c'était en effet velours. C'est velours, oui. Je me suis dit, ça va être trop lourd peut-être. Parce que moi, je voulais le porter aussi en été, bien sûr, avec un jean, juste un haut, un petit haut, tout ça. Vous pouvez le porter avec beaucoup de choses. Vous pouvez le porter, en fait, comme robe, kimono à la maison. C'est super beau. Il est super long. J'aime beaucoup les manches. Et c'est un effet velours. Il est super beau. Quand je l'ai eu, j'ai fait oh non, j'aime pas en fait. J'ai pas trop aimé. Quand je l'ai porté, j'ai dit waouh. En fait, vous pouvez vraiment sortir, aller dîner avec. Il est super beau. Je vous le recommande. Si vous le trouvez, prenez-le, achetez-le. C'est une pièce que je peux porter pendant toute l'année. En hiver, maintenant, c'est vrai que c'est pas trop chaud. Je vais être honnête, vous pouvez mettre un col roulé, un jean. Ça peut passer si vous êtes en voiture. Mais sinon, ça en était une tuerie dans les pays comme Égypte, Maroc, Espagne, tout ça. C'est super beau. Quand je vais porter ça, je sais que tout le monde va me demander cette pièce-là. Voilà. Oh, je suis convaincue. Mais le truc, c'est que je voulais attendre encore les soldes. Je voulais attendre le 26 décembre. Mais je me suis dit, cette pièce-là, elle va être en rupture de stock. Donc, je l'ai pris, bien sûr, à prix normal. Ça m'a coûté 69 livres. Je vous ai dit, c'était plutôt pour un manteau. Mais je l'ai pris et je ne suis pas déçue, mais du tout. Donc, voilà. Après, j'ai pris un blazer effet, c'est quoi? D'un velours? Je ne sais pas. Non, ça, c'est velours. Oui, velours. Un blazer bleu foncé, donc navy. C'est un super joli blazer avec les boutons. Les blazers avec les boutons comme ça, c'est trop joli. Ce blazer, il est trop, trop beau. Vous avez aussi des boutons ici. Donc, sur la manche, sur les manches, en fait, un blazer avec des fausses poches devant. Il est super beau porté. Ça, c'est la classe, hein, avec un pantalon skinny taille haute bleu foncé, un peu délavé, un tout petit peu délavé, et une chemise blanche, col roulé, jean. Vous pouvez porter ça avec collant tout en noir ou quoi que ce soit, en fait, avec beaucoup de trucs. Beaucoup de vêtements, il est super beau, super beau. J'aime beaucoup, surtout la couleur bleu foncé. Et c'est un blazer qui taille tout droit, ça ne me dérange pas du tout. Je l'ai pris en taille M et il m'a coûté, celui-ci est en réduction, il m'a coûté 49,99. Je pense pas, 39, 35 peut-être. 49, non, je l'ai pris en réduction. Est-ce que ça m'a coûté 49? Si, il m'a coûté 49, il était à combien? Je pense pas qu'il m'a coûté 49. Je pense peut-être 35. Ouais, peut-être 35. Il est super bon en tout cas. Donc, voilà. Après ça, j'ai pris un pantalon. Ce genre de pantalon-là, j'aime beaucoup. C'est vraiment des pantalons que, voilà, qui me va beaucoup. Et j'aime le style, en fait. Ça fait très original. Donc, c'est ce pantalon-là avec un effet asymétrique. Donc, voilà. Il est vraiment simple, en fait, à part l'effet asymétrique. C'est un pantalon très long. On appelle ça les dad's pants. Donc, les pantalons papa, d'homme. Voilà. C'est un pantalon qui taille tout droit. Vous pouvez mettre une ceinture, mais moi, je ne mettrai pas de ceinture. D'habitude, je ne mets même pas de ceinture sur mes pantalons. Alors, j'ai beaucoup aimé la couleur. J'ai aussi aimé le fait qu'il est en réduction. Ça m'a coûté que 12,99 €. Et en fait, je pensais que c'était un pantalon taille haute. Il n'est pas vraiment taille haute et je pensais qu'il était plus long que ça. Ça ne me dérange pas trop, en fait. Ce genre de pantalon-là, je porte avec un col roulé, des baskets
Nike, c'est un peu à la mode en fait, des baskets Nike. Mais si vous voulez faire un peu plus féminin, vous mettez peut-être un bistier, quelque chose de très féminin, quelque chose par exemple un haut asymétrique, quelque chose par exemple un haut transparent. Voilà, pour faire féminin, vous pouvez porter avec des talons ou bien avec des baskets, col roulé ou un pull. Et une doudoune ou un manteau. Donc voilà, j'aime beaucoup aussi ce genre de pantalon. Donc celui-ci en réduction, je l'ai pris à 12 quelque chose. Je cherchais s'il y avait une veste, je pense pas. En tout cas, j'ai pas trouvé la veste. Sur le site, la personne le porte avec une chemise. C'était aussi sympa, cool, relax. Donc voilà. Pour Zara, c'est fini, hein? Pour Zara, c'est fini. H&M, j'avais une carte cadeau de chez H&M et j'ai pris, en fait, comme je vous dis, je cherchais un manteau, deux manteaux même. Donc, j'ai retrouvé ce fameux manteau de la collection H&M et Giuliva Heritage, une marque italienne. Donc, voilà le fameux manteau que j'ai retrouvé en réduction. Je l'ai eu pour 60 livres. J'étais super contente. Par contre, c'est la taille M. Elle me va assez bien. C'est pas trop grand. Je suis contente. Donc, c'est un super long manteau en laine. Je pense qu'il y a 40% de laine, quelque chose comme ça. Super beau. Trop, trop élégant. Rien à dire. En tout cas, je suis très contente de l'avoir trouvé à ce prix-là. Il était à 120 livres. Donc voilà pour H&M. Et après, j'ai trouvé une doudoune. Une doudoune qui m'a coûté, je pensais que ça allait me coûter 45 livres. Quand je suis arrivée en caisse, elle était à 25 livres. Comment j'étais fière de moi. Donc voilà. En fait, quand j'avais vu 50 livres, quand j'avais vu 50 livres, je me suis dit, ok, elle est déjà en réduction. Je ne sais pas pourquoi, je pensais qu'elle était en réduction. Et quand je suis arrivée en caisse, 25. Donc c'est une doudoune très très longue. Vous avez la capuche. Oh, j'adore cette doudoune. Elle est super belle. Dès que je l'ai mis, quand j'ai essayé, oh, elle m'a chauffée. En tout cas, elle est super belle. Je suis contente de l'avoir trouvée. Donc ça, c'est mon manteau d'hiver. Maintenant, je vais porter... Ça, c'est le manteau que je vais porter tous les jours. C'est ce manteau-là. Donc voilà, j'aime tout. J'aime tout vraiment. Je voulais prendre une doudoune de chez Zara, bien sûr. Mais ma taille, elle est toujours en rupture de stock. Et après, j'ai juste... Quand j'ai trouvé celle-ci, donc Zara, bye bye. Donc voilà pour la doudoune. Ticket Max, je vais vous montrer vite fait. Je pense que vous pouvez toujours retrouver ce genre de bottes, pardon, c'est pas une bottine. Donc, c'est une botte de la marque Mossimo Dutti. Je l'ai pris à 30 livres. Donc, c'est une botte qui monte jusqu'au-dessus des genoux. En effet, ça, c'est du daim, du faux daim ou daim. Donc, voilà la paire de bottes. J'aime beaucoup le talon, pas trop long, vous pouvez le porter vraiment pendant un long moment. J'aime beaucoup la qualité Massimo, c'est quoi encore Massimo Dutti, c'est une très très bonne qualité en fait. Donc je suis vraiment pas déçue, je peux porter avec plein de choses. Donc j'ai pris cette paire là, comme vous voyez. Je pense que vous pouvez toujours les retrouver dans des tickets max. Je pense parce que quelquefois, ils ont quand même des mêmes pièces. C'est vrai que c'est un peu difficile de retrouver la même... C'est vrai que c'est un peu difficile de retrouver la même pièce dans les tickets max, mais quelquefois, on peut en fait. On peut retrouver. Donc, j'ai pris ça. J'ai fait beaucoup d'achats chez ASOS parce qu'ils avaient moins 75%. Et j'ai plutôt acheté des robes que je ne vais pas vous montrer parce que tout est en rupture de stock. Des robes d'été, des robes de... fleuries, des très très belles robes. J'en avais commandé beaucoup, j'ai essayé, après j'ai rendu d'autres. Et donc je suis restée avec trois robes, quelque chose comme ça, trois ou quatre robes. Bonne affaire, hein, ASOS. En fait, je vais juste vous montrer ce que vous pouvez retrouver. Vous pouvez toujours retrouver cette blouse en chiffon. Oh, elle est en l'envers. Donc cette blouse en chiffon. Manche bouffante, je l'ai pris à 9 livres au lieu de...
coûté combien? 29 livres ou 35 livres, quelque chose comme ça, en taille 38, super beau quand vous portez, ça fait trop trop élégant. Voilà, manche longue. Celle-ci, vous pouvez toujours la retrouver. Elle est seulement à 9 livres sur le site. Donc après, j'ai pris des accessoires, c'était vraiment moins cher. 2 livres et quelques, ce serre-tête-là. C'est pas trop beau. Super beau. 2 livres 50 au lieu de, je sais pas, 7 livres ou 10 livres. Voilà. Et j'ai pris aussi une ceinture. Ce genre de ceinture, c'est très très essentiel. Ça habille vos vêtements, vos robes, chemises, tout ça. Donc j'ai pris, je pense, pour 13 livres ou 10 livres. Et après, mon coup de cœur, j'ai pris cette paire de chaussures-là qui est inspiration, je pense, Monola, Manola, je ne sais pas trop le nom, j'ai oublié. Je vais vous mettre ici. Donc j'ai pris sur. Donc voilà la paire de chaussures. Elle est sublime. Elle n'est pas trop sublime. Elle est trop trop belle. Voilà. J'ai pris cette paire de chaussures-là à combien? 29 livres. 29 livres au lieu de 50 ou 60 livres. Donc voilà. Super joli. Le petit bémol, c'est qu'en fait, pour l'imprimer, il devait avoir plus de bleu, je pense de bleu, tout ça. Mais voilà, on m'a envoyé quelque chose un peu plus jaune doré ou quelque chose comme ça, moutarde. Ça ne me dérange pas du tout. Elles sont super belles. Si vous portez avec une robe, oh, une belle robe noire, ou bien juste un jean et une chemise blanche. Ouais, elles sont belles. Donc voilà tous les articles que j'ai pu retrouver, j'ai pu choper à prix abordable chez Zara, H&M et ASOS. À part bien sûr les articles qui sont à prix normal, mais sinon c'est des très très jolis articles. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Voilà, sur ce, on se retrouve sur ma prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!